Messieurs, bonsoir. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir Annabelle Ténez, qui est sortie de l'école des Chartes en 2004. J'ai fait sa thèse sur l'arc, si je me souviens bien. Après quoi, et après son passage à l'Institut national du patrimoine, elle est entrée au musée Picasso comme conservateur stagiaire, des conservateurs titulaires. Et elle a entrepris d'aller sur le terrain, en définitive, explorer les ressources, les richesses des provinces un peu reculées, il faut dire. Il s'agit de la Haute-Vienne. Et elle dirige maintenant le musée Haussmann à Rochefort. Elle a publié toute une série de catalogues d'œuvres. Parallèlement à cela, et je pense qu'elle compte parmi les meilleurs spécialistes maintenant de ce peintre. Il y a un certain lien entre l'école des Chartes et les surréalistes, il faut dire, via d'ailleurs les bibliothécaires, qui n'hésitent pas à développer une culture un peu dans ce genre, du moins dans les années 30. Et il y a quelques années, l'une des élèves de l'école avait participé à l'exposition Dada. Je laisse la parole maintenant à Annabelle Ténez. Bonjour. Donc, je vais commencer par vous rappeler qu'il y a quand même pas mal de liens justement entre l'école des Chartes et le dadaïsme, hein, puisque il est maintenant assez connu que Marcel Duchamp avait suivi des cours ici en auditeur libre. Et il y a peu, quelqu'un avait soutenu sa thèse sur Georges Ribemont de Seine ici. Donc on voit bien que le dadaïsme est encore beaucoup plus largement diffusé qu'on ne le croirait, et dans des lieux plus ou moins connus pour être des lieux du dadaïsme. J'ai intitulé cette conférence FMSBWTOZAU. Vous me permettrez de prononcer le titre comme ça. C'est aussi justement parce que cette phrase... C'est une des premières phrases des poèmes phonétiques de Raoul Haussmann, édité en 1918. C'est aussi la base de la Oursonate de Kurt Schwitters, et c'est aussi la base de l'ensemble de ce travail d'écriture, qui est un travail d'écriture, qui est un écrit d'écriture également plastique, que va mener Raoul Haussmann entre 1918 et aujourd'hui. Et en cela, c'est emblématique, et c'est une phrase qui traverse l'ensemble de son travail, comme l'ensemble du travail de Schwitters, et qui nous permet aussi de parler donc de ces questions des archives d'un dadaïste, des archives de Raoul Haussmann, puisque justement l'histoire de sa documentation, l'histoire de ses œuvres, est complètement emblématique justement d'une histoire d'un siècle. C'est donc bien une histoire singulière qui est révélatrice des tourments du soubresaut d'une histoire et d'un destin individuel, qui fait que quelqu'un né à Berlin, né à Vienne, se retrouve à vivre son adolescence à Berlin, à vivre son parcours artistique à Berlin, puis à devoir fuir l'Europe, puis à se retrouver à vivre les 30 dernières années de sa vie en Limousin, et à être connu, dans le milieu photographique en tout cas, surtout pour une œuvre photographique liée à l'île d'Ibiza. Cette histoire européenne-là, c'est véritablement à la fois une histoire donc unique, individuelle, mais qui en cela est complètement emblématique de toute une série d'artistes qui sont les artistes de l'exil, voire les artistes apatrides, puisqu'il y a tout un moment où Raoul Haussmann, comme d'autres de ces des artistes de l'avant-garde, est même considéré comme apatride. Donc, et aussi, pour se rappeler, ici, je vous montre Raoul Haussmann tenant son œuvre la plus célèbre, sa tête mécanique ou l'esprit de notre temps, une œuvre dont finalement on ne connaît pas véritablement le titre réel, une œuvre dont finalement on ne connaît pas la date réelle, entre 1919 et 1922, cette date étant fluctuante due à ses reproductions et à la non... Et au fait que l'histoire a été totalement réécrite à plusieurs reprises. Et donc ici, vous voyez Raoul Haussmann dans son appartement de Limoges, à gauche, tenant sa tête d'Ada, et ici et à droite, la tête d'Ada telle qu'elle est conservée au Musée national d'art moderne. Et c'est aussi une autre histoire que se dire que cette tête d'Ada, elle vient de Berlin,
qu'elle a été conservée jusque dans les années, jusqu'au début des années 60 par l'ancienne compagne de Raoul Haussmann, Anna Or, et que cette tête d'Ada, eh bien, si elle est rentrée dans les collections publiques françaises, c'est grâce à un Suédois, Pontus Hultén, qui l'expose en 1967 et qui l'a fait rentrer dans les collections publiques françaises lorsque lui-même prépare l'ouverture du centre Pompidou. C'est donc bien ici une histoire totalement européenne que l'on retrouve et qui rappelle aussi, entre le film que nous venons de voir, cet extrait de poème phonétique que je vous ai lu, et aussi cette sculpture que Raoul Haussmann, en tant qu'artiste dada, mais aussi tout au long de sa vie, a complètement eu pour principe de déconstruire les formes traditionnelles de l'art et des beaux-arts tels qu'on les entend. C'est donc un des pionniers du collage, un des initiateurs de la poésie sonore et un des inventeurs du photomontage, ce que nous on appellerait plutôt le collage, mais qu'à l'époque les dadaïstes appellent le photomontage. Et donc cette expérience dada qui a remis en cause les cloisonnements artistiques, la frontière entre l'art et la vie, cet iconoclasme complètement affiché, c'est véritablement le leitmotiv de l'artiste Raoul Haussmann. Et donc, la grande particularité des archives Raoul Haussmann, eh bien, c'est qu'elles sont divisées en deux grandes séries, entre guillemets. On pourrait presque les diviser plutôt en trois grandes séries, c'est-à-dire les œuvres qui sont à la Berlinische Galerie de Berlin, le fonds qui est au Musée départemental d'art contemporain de Rochechouart, et bien sûr le fonds des œuvres perdues, des œuvres détruites, des œuvres cachées, notamment, y compris celles qui ont été enterrées par Anna Or, puis redécouvertes par elle pendant certaines périodes, aussi celles que Raoul Haussmann a dû détruire au moment où il était en fuite. Donc c'est donc toute cette série-là qui est intéressante à voir. Et donc, qu'est-ce qui fait ce partage, entre guillemets, du fonds Raoul Haussmann entre la Berlinische Galerie et le musée départemental d'art contemporain de Rochechouart? C'est bien sûr l'histoire donc, de ces pièces, puisque les fonds de la Berlinische Galerie concernent essentiellement 1900-1933, sont en fait des pièces qui viennent soit de la fille de Raoul Haussmann, Vera, soit du fonds Anna Or, qui est l'ancienne compagne de Raoul Haussmann, soit pour celle du fonds, quant au fonds du musée départemental d'art contemporain de Rochechouart. Ça aussi, ça peut sembler assez surprenant, puisque ce musée, qui est un musée fondé en 1985, qui est un musée qui est ici dans un château de la Renaissance, qui est un musée qui est essentiellement consacré donc, à l'art le plus contemporain, essentiellement des années 70 à nos jours, eh bien, il a développé ce fonds Haussmann au fur et à mesure du travail des premiers conservateurs du lieu, qui ont pris contact très tôt avec Marc Prévost, Marc Prévost étant la dernière compagne de Raoul Haussmann, et au fur et à mesure lui ont acheté une grande partie des archives et du fonds d'atelier de Raoul Haussmann. Ce qui fait qu'actuellement, dans ce musée d'art contemporain, vous pouvez trouver quasiment 700 pièces dites artistiques de Raoul Haussmann, que ce soit des photographies, que ce soit des collages, que ce soit des textes imprimés, que ce soit des peintures ou des dessins, et également jusqu'à 15 000 feuilles d'archives, c'est-à-dire notamment quasiment toute la correspondance, une grosse partie de la correspondance qui va de 1945 à 1971, la date de la mort de Raoul Haussmann. Avec cette grande particularité, c'est d'avoir toute une série des ensembles de brouillons des textes de Raoul Haussmann, mais aussi dans ces ensembles de brouillons, il faut savoir que ce sont des brouillons qui sont souvent très pléthoriques, puisque vous pouvez avoir énormément de brouillons pour un même texte, et aussi donc une grande partie de sa correspondance ayant la grande chance de conserver évidemment les lettres reçues, ce qui est le grand principe des fonds de correspondance, c'est les lettres que vous recevez, mais aussi toute une partie des lettres envoyées, parce qu'il gardait une grande partie de ces brouillons sous forme de tapuscrits. Ce qui donne un ensemble considérable qui permet de relire toute une histoire, à la fois de la réécriture du mouvement Dada, toute une histoire du post-dadaïsme, mais aussi toute une histoire des correspondances et des relations entre tous ces artistes de l'avant-garde. Ah, une découpe d'image mal faite, je suis désolée. Donc normalement, vous auriez dû voir
à gauche, le père de l'artiste, et à droite, Raoul Haussmann, que vous voyez ici, en autoportrait, normalement devant une peinture. Nous passons rapidement sur ces images. Pour vous dire que même si le fond, comme je vous le disais, pour la correspondance des archives, est entièrement en grande partie pour sujet la période 1945-1971, cette scansion n'est évidemment pas stricte chronologiquement pour les œuvres, puisque bien sûr, le principe aussi d'un artiste, c'est qu'il n'est pas parti, et même s'il a dû fuir l'Allemagne de manière rapide, il n'est pas parti sans une partie de ses travaux. C'est ainsi que ici, vous voyez notamment un jeune autoportrait en 1901, qui nous rappelle donc les premiers instants de la vie artistique de Raoul Haussmann, parce que Raoul Haussmann naît en 1886. Ce dessin date à peu près donc du moment où il a 15 ans. Et cette dextérité, elle s'explique aussi parce que le père de Raoul Haussmann, en fait, est un peintre totalement académique dans la tradition de la peinture. Et il est d'ailleurs à l'origine de la première formation de son fils, notamment lorsque l'ensemble de la famille s'installe à Berlin à partir de 1900. C'est là qu'il commence à faire des études de peinture, de sculpture, sous l'égide de son père, qui l'aide notamment pour un certain nombre de grands travaux de décor, comme le décor de la mairie de Hambourg. C'est donc aussi se rappeler que toute une partie de ces artistes de l'avant-garde, que ce soit Raoul Haussmann, mais aussi par exemple quelqu'un comme Pablo Picasso, ont des formations totalement classiques, voire pour certains formations classiques, parce qu'ils viennent d'une famille de peintres traditionnels, et que ça explique aussi ce qu'ils appellent toujours ce fameux chemin à rebours pour découvrir une nouvelle liberté. Ainsi, derrière cette grande maîtrise technique, que l'on retrouve ici notamment dans un portrait de Beethoven, ce qui rappelle aussi justement ce goût pour la musique qu'on va retrouver plus tard, mais aussi ce jeune autoportrait de 1905 qui rappelle combien l'on est véritablement complètement dans ces courants pré-expressionnistes, post-symbolistes de l'Autriche puis de l'Allemagne. Donc c'est cette série d'œuvres que je viens de vous montrer est conservée au Musée départemental d'art contemporain de Rochechouart. Comme beaucoup d'artistes de sa génération, notamment tous ceux nés autour de 1890, comme Otto Dix, Georges Grosz, Christian Schad ou Hans Richter, il traverse à ses débuts une période que l'on qualifiera de expressionniste, mais aussi proche du cubisme et du futurisme. C'est donc des travaux que l'on trouve de manière assez rare, ou en tout cas qu'on connaît moins d'un artiste comme Raoul Haussmann. Donc cet autoportrait qui montre bien déjà, par rapport aux autoportraits de jeunesse, la manière de s'éloigner des styles plus traditionnels, mais aussi donc combien ils sont marqués également, toute cette génération-là, par toute l'avant-garde européenne qu'ils découvrent dans la galerie Der Sturm. Et donc la France possède notamment plusieurs œuvres de cette période-là, conservées par Raoul Haussmann, donc ce Nu bleu, qui pour le coup est totalement marqué par le cubo-futurisme, qui est conservé dans les collections du Musée départemental d'art contemporain de Rochechouart. Mais ce qui est moins connu, parce que moins vu, c'est également ce Cheval jaune, beaucoup plus influencé, lui, par Franz Marc. Mais on voit bien toute cette ébauche de culture qui, lui, est conservé dans les collections du Musée national d'art moderne au Centre Georges Pompidou, ou encore cette forme d'autoportrait qui, lui, est aussi très influencée par Chagall, que Raoul Haussmann regarde également, et qui s'appelle Psychodrame. Et donc, ce tableau-là est, lui, conservé, et c'est moins connu, au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux. Donc, on voit tout cette... cet arrière-plan, et une grande partie de ses œuvres proviennent également du fonds d'atelier de Raoul Haussmann. Donc jusque dans ces périodes 1917, il est donc dans cette nouvelle avant-garde qui est proche des mouvements expressionnistes ou proche des mouvements post-expressionnistes déjà, ce que vous voyez également dans cette série de gravures de 1917.
Et donc, jusqu'en 1917, il est véritablement marqué par cette scène artistique. Lui-même a alors une vie relativement traditionnelle. Il épouse une violoniste berlinoise, Elfriede Schaeffer, et il a une fille, Vera, qui naît en 1907, qui est donc celle qui possédait les œuvres qui sont actuellement à la Berlinische Galerie. C'est donc à partir de 1918 que véritablement se fonde à Berlin le mouvement Dada. Le mouvement Dada vient déjà de Zurich, où il est créé dès 1916 autour de personnes comme Hugo Ball, Marcel Jeancot, Tristan Jara, Jean Harpe et bientôt Richard Welsenbeck, Henri Ster, Sophie Teuber et Amy Hemmings. C'est pas via Richard Welsenbeck que l'on dit traditionnellement que le mouvement Dada s'étendrait à Berlin via le Club Dada, où parmi les fondateurs du Club Dada, on retrouve notamment Raoul Haussmann, et très important pour Raoul Haussmann, quelqu'un qui lui est très proche, Johannes Baader, mais aussi des gens comme Franz Jupp, Georges Grosz, mais aussi Anna Orr, qui devient très vite la compagne de Raoul Haussmann. C'est donc une période d'une grande collaboration entre tous ces artistes, notamment Haussmann, Baader et Anna Orr, notamment pour la création de la revue Dada. Et donc c'est aussi une période très fertile dans l'idée de créer des œuvres autrement, puisque pour lui, il s'agit véritablement comme pour tous, de sortir de ce qu'ils appellent les beaux-arts traditionnels ou d'une culture qui pour eux a fait preuve de son échec. Et pour eux, la preuve de l'échec, c'est la guerre. Et donc, 1918 est le moment fondateur pour eux de la création de ces fameux poèmes sonores, dont vous voyez ici un exemple de poème affiche avec cette phrase emblématique. C'est également donc les soirées au Club Austria, où Baader et Raoul Haussmann récitent des poèmes phonétiques comme celui que je vous montre, et aussi véritablement la période de la création du photomontage. Et donc ces fameux collages que vous voyez ici, ils existent souvent sous deux formes différentes, cette forme plastique, qui est une forme assez nouvelle, qui est celle qui joue avec le graphisme, et aussi donc sous une forme récitée, dont on a peu de traces, mis à part donc les fameux poèmes récités dans les années 60, qui ont été enregistrés dans les années 60, c'est presque une ethnologie du mouvement Dada qui se fait dans ces années-là, dont vous avez entendu un morceau dans le film « L'homme qui a peur des bombes ». Et donc, ils existent sous ces deux formes. Vous en voyez ici une autre, mais vous voyez aussi déjà l'incursion d'autres éléments du quotidien, du montage, du réel, avec cet élément de main. Donc, ces deux poèmes d'affiches que je vous montre, eux, sont conservés dans les collections du Centre Pompidou. Dans le fond, Raoul Haussmann, du Musée départemental d'art contemporain de Rochechouart, évidemment, il y a toute une série, tout un ensemble assez nombreux de ces programmes, de ces dépliants, qui sont aujourd'hui très recherchés, à l'époque conservés par les artistes, mais peu collectionnés, bien sûr, qui retracent toute une histoire donc, de ces fameuses soirées. Je vous montre ici un des exemples de programmes d'une des soirées, qui sont à la fois des témoignages des éléments, des différentes personnes présentes, des différents thèmes abordés, des différents poèmes ou actions qui ont lieu, mais qui eux-mêmes sont la preuve d'une recherche graphique totalement différente. Alors, je suis désolée, mais je pense que lorsqu'on est passé de PowerPoint à... quand on a changé de logiciel, ça nous a coupé un certain nombre d'images. Donc, normalement, vous auriez dû voir une anthologie Dada, ici, donc qui est coupée. Et ici, je vous montre un moment majeur de cette année 1918, c'est pour Raoul Haussmann la publication de matériel d'un Maleral Plastique Architecture, qui donc accompagne totalement cette tendance Dada, qui est à la fois celle de mélanger le poème, la poésie, le graphisme, mais aussi le collage. Le collage est donc ce qu'ils appellent alors photomontage. On sait bien que la majorité des artistes Dada, ou plusieurs des artistes Dada, s'en disputent la paternité. Cette dispute de paternité, finalement, a-t-elle réellement une importance? Pas vraiment. C'est plutôt
qu'ils sont les premiers, tous ensemble, à décider de prendre dans le réel, de découper, de rassembler et de créer autre chose, souvent une œuvre d'ailleurs assez grinçante, humoristique, par le rapprochement d'éléments triviaux pris dans la réalité. Raoul Hausmann, comme la majorité de ses artistes, raconte que lui a inventé le photomontage, bien sûr, et il le raconte ainsi. Il dit à propos de la typographie et de tous ces poèmes, « J'avais reconnu que le réalisme impressionniste, écrit-il dans une autobiographie écrite reprise dans le courrier d'Ada en 1958, dont le tapuscrit est conservé dans les collections du musée départemental d'art contemporain d'Auxois, reconnu que le réalisme impressionniste n'était pas capable de donner plus qu'une description du modèle de la nature où tout restait dans un état d'immobilité, tandis que la vie moderne nous montrait tous les objets en mouvement. En 1918, je franchis le pas décisif pour vaincre l'imitation des objets, dans le dadaïsme et le refus de l'esthétique conventionnelle, je trouvais des possibilités pour une nouvelle conception de la forme, aussi bien inobjective, abstraite que concrète. » Évidemment, il prend position par rapport aux autres membres du mouvement Dada. Contrairement à Man Ray et à Marcel Duchamp, qui donnaient aux objets d'usage quotidien une signification différente en les isolant de leur entourage, je voyais les possibilités qu'offraient les assemblages, les greffages, et j'inventais le photomontage. En 1918 aussi, j'introduisis la typographie comme élément pictural et je créai mes poèmes affiches, des poèmes phonétiques, composés d'après le sens sonore des lettres, sans avoir en connaissance des essais analogues de Klebnikov et de Ball. Et donc, il y a bien sûr, donc dans ces extraits qui sont d'autobiographie repris dans Courrier d'Ada de 1958, cette volonté bien sûr de réécrire l'histoire après coup, mais aussi de rendre compte de ce que sont ces histoires. Donc je vous montre ici, vous voyez ici d'autres exemples de ces fameux poèmes jouant sur sur à la fois l'écriture, les mots, donc pas uniquement les sons, mais aussi les mots. Autre exemple conservé dans les collections du musée départemental d'art contemporain de Rochechouart. Sur les collections de 1918, il faut savoir que sur ces premiers collages de 1918, beaucoup ont disparu. Certains sont quand même encore conservés, notamment cet exemple donc, qui est de collage, qui est un collage abstrait, coloré, fait avec des papiers, qui est le prototype de la couverture du livre et qui est conservé dans les collections du musée départemental d'art contemporain de Rochechouart, tandis que vous trouvez quand même toute une série assez emblématique conservée dans les grandes collections de musées, notamment cette œuvre assez connue qui justement mêle complètement le poème sonore et le collage avec cette image grinçante. C'est la représentation du critique d'art par Raoul Hausmann, conservée dans les collections de la Tate. Ici, je vous montre justement une partie de ces fameuses œuvres qui sont présentées sous des formes totalement, justement, qui coupent totalement l'image traditionnelle des expositions ou même des types d'œuvres qui sont exposées, puisque sont exposées aussi bien donc des peintures, des collages, des éléments de typographie, comme une espèce de jeu sur le détournement de la propagande que vous retrouvez par exemple dans ces photographies de la première foire internationale d'Ada de Berlin en 1920, dont on considère souvent qu'elle est le moment d'apogée de Dada Berlin, où vous voyez Raoul Hausmann et Anna Or, et à l'arrière, une des œuvres célèbres de Raoul Hausmann, dans la tête de Tatlin, ici. Et donc le lien aussi est très important pour Raoul Hausmann avec le constructivisme russe, mais aussi avec les mouvements de Schiele à cette période-là. Donc c'est la fameuse tête de Tatlin, qui est donc une des œuvres parmi celles qui sont encore conservées de cet accrochage de 1920, acheté par le Moderna Musée de Stockholm, bien sûr par Pontus Sultan dans les années 60. Et où l'on voit bien comment le collage... Oui, non, non, elle est au Moderna Musée à Stockholm. Oui, 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 oui. Bon, alors, je vais continuer la conférence et puis on reprendra après. Vous avez donc la fameuse tête de l'esprit de notre temps de 1900, euh, euh, de, euh,
de l'esprit de notre temps, dite tête mécanique, hein, puisque donc elle n'est pas présentée sous le même intitulé selon les publications qui en sont faites à l'époque, et qui rappelle aussi ce problème de datation qu'on a souvent pour la période, puisque comme ces œuvres-là sont souvent publiées après coup, on a parfois un certain nombre de doutes. C'est en tout cas devenu cette tête, rétrospectivement, par rapport justement au moment de sa création, une des œuvres emblématiques du mouvement dadaïste. Mais c'est aussi justement une sorte de recréation après coup que de voir cette tête donc de l'esprit de notre temps, qui pour Haussmann est considéré comme une tête de mannequin sur lequel est ajouté un certain nombre d'éléments de mesure qui sont comme un symbole pour eux d'une forme d'absurdité du temps et aussi rassemblés dans une forme de collage. Autre justement exemple de ces fameuses têtes mécaniques dans le même dessin contemporain, cette fois-ci le dessin de Konrad Felix Müller, qui est donc un autre artiste, conservé également dans les collections du Centre Pompidou, achat dans les mêmes périodes. Cette question de la satire, de l'absurde, est véritablement un des points forts et marquants de cette période-là, comme on le retrouve dans tout un certain nombre de publications qui ont cours sur cette période, comme le fameux livre « Hourra, hourra, hourra » de 1921, qui est donc un rassemblement de satires, également conservé, dont un des exemplaires est également conservé au Musée départemental d'art contemporain de Rochechouart. Et donc, la question aussi de ces satires, de ces dessins, c'est aussi toute une forme de... c'est qu'ils sont aussi accompagnés de toute une forme de théorisation qui paraissent à la même période. 1921, c'est par exemple un moment où Raoul Haussmann signe avec d'autres artistes comme Jean Pougny et d'autres le fameux Pour un art élémentaire, qui est donc un des qui paraît lui dans la revue de style. Donc on voit bien comment ces artistes-là aussi mêlent les différents moments. Ici, une des autres œuvres emblématiques venues du fonds d'atelier et conservées par le Musée national d'art moderne, c'est la fameuse ABCD, qui est donc un des collages qui est daté entre 1923 et 1924, dont la datation est due notamment au fait qu'il y ait quelques éléments de ces fameuses soirées mers de Kurt Schwitters. Donc Kurt Schwitters et Raoul Haussmann sont proches, alors que il faut savoir que Raoul Haussmann, que Kurt Schwitters est refusé par le club Dada Berlin, notamment par Welsenbach, mais Raoul Haussmann et Kurt Schwitters restent très proches, et donc Raoul Haussmann participe à une des soirées de Kurt Schwitters à Hanovre. C'est donc toute une série de témoignages d'époque que l'on relie à la fois dans les textes, également dans les textes écrits à l'époque, mais surtout a posteriori, également dans les manifestes, mais aussi comme des éléments mêmes au sein des œuvres. Et d'ailleurs, la tête que vous voyez au milieu, donc cette tête qui pousse un cri et qui prononce un certain nombre de lettres de l'alphabet, c'est une tête de Raoul Haussmann jeune. Et donc, cette question du poème sonore ou du lien avec Kurt Schwitters, je vous le montre ici donc dans une image qui n'est pas de très très bonne qualité, mais où ici en haut, vous pouvez retrouver les premières phrases de FMSB, la phrase que je vous ai lue tout à l'heure, qui va servir à Kurt Schwitters pour tout ce qui est la théorisation de la Ours sonateux, c'est-à-dire une nouvelle fois cette question d'arriver à des œuvres phonétiques, mais des œuvres carrément que Raoul Haussmann va appeler optophonétiques, c'est-à-dire qui arrivent à avoir une équivalence entre les images et les sons. Et donc toute cette recherche optophonétique, c'est ce que Raoul Haussmann va mener au milieu des années 20. Alors si je vous montre cette image-là, parce que justement toute cette réflexion autour de l'optophonie, comme je vous le disais, c'est des éléments qui sont très difficiles
à retrouver ou à, puisqu'il n'y a pas d'enregistrement, pas d'équivalent. Et donc, pour vous, c'est pour ça que je vous montre cette œuvre, en fait, qui est une œuvre qui a été exposée notamment au Centre Pompidou à l'exposition Son et Lumière, qui est une œuvre d'un artiste qui s'appelle Peter Keane et qui a essayé de réaliser après coup la réflexion de Raoul Hausmann autour de l'optophonie, c'est-à-dire d'arriver à trouver cette fameuse équivalence entre le son, l'image et la lumière. Et donc, il faut savoir que Raoul Hausmann se définit aussi comme un inventeur et que pour, il raconte même que pour l'optophonie, il va jusqu'à faire breveter les machines de l'optophone, notamment en Angleterre, mais qu'il doit notamment au moment de la guerre revendre le brevet et à quelqu'un qui pour lui, d'une certaine manière, l'arnaque. Et donc, pour lui, il y a bien, à partir de ces années 20, toute une sorte de détachement, mais aussi de continuité de recherche, qui passe également par la danse. Vous voyez ici des photographies assez connues par Auguste Sander. Et quand je vous disais inventeur et dadaïste, puisque vous savez qu'Auguste Sander mène ce travail au long cours que d'arriver à représenter l'ensemble des couches de la population allemande. Et donc Auguste Sander, eh bien, il photographie notamment en 1929 Raoul Hausmann sous l'intitulé « Inventeur et dadaïste ». Tout comme Raoul Hausmann, lorsqu'il décède, son avis d'essai paraîtra sous l'appellation de « écrivain ». Donc ici, je vous montre une photo d'Auguste Sander, Raoul Hausmann avec Hedwig Mankiewicz et Vera Broido. Donc Hedwig Mankiewicz est la femme qu'il épouse et avec qui reste son épouse jusqu'à la fin de sa vie après son divorce et sa séparation avec Anna Or. Et Vera Broido est également la maîtresse et la compagne de Raoul Hausmann. Et c'est donc tous les trois qu'ils vont devoir partir ensuite à partir de 1933. Ici, je vous montre encore, lorsque l'on se discute de toutes ces questions sur l'optophone, qui sont vraiment une réflexion qui a marqué beaucoup d'artistes, notamment d'artistes dans les années 60, eh bien, voici une des les traces que l'on en a, c'est véritablement des traces en texte. Donc ici, un exemple de tapisserie des archives du Musée départemental d'art contemporain de Rochechouart. Ici, un texte écrit en allemand. Il faut savoir que les archives de Raoul Hausmann sont dans des langues très différentes. Vous en avez aussi bien en français, en anglais qu'en allemand. Et certains de ces textes, dans certains de ses textes, notamment son roman Hille, il a été noté, retrouvé jusqu'à 7 langues différentes utilisées dans le roman, y compris notamment du yiddish, et y compris une forme de yiddish autrichien, couplée à de l'espagnol, de français, de l'anglais, de l'allemand, etc. Donc, comme je vous le disais, les années 20, voir Raoul Hausmann continuer ses publications, ses recherches, s'éloigner également quelque peu du mouvement dada, notamment par le biais d'une autre découverte pour lui. Lui qui avait écrit dans les années 20 « Nous ne sommes pas des photographes » se découvre une véritable passion pour la photographie à partir du début des années 30. Et ce qui est très surprenant lorsqu'on regarde justement la vie de ces archives, c'est qu'actuellement, on pourrait dire que la moitié ou plus de la moitié des chercheurs qui viennent travailler sur le fond du musée, eh bien, ce sont des théoriciens de la photographie ou des gens qui viennent travailler sur le fonds relatif aux photographies d'Ibiza. Comme s'il y avait une espèce de changement dans le regard que les gens portent sur l'œuvre de Raoul Hausmann. Et donc à partir des années 30, c'est véritablement la photographie qui prend une part prégnante dans son travail. Donc ces photographies sont relativement bien conservées pour un certain nombre dans les collections publiques. Vous en retrouvez toute une part à la Berlinische Galerie. Vous en trouvez toute une part aussi achetée par le Musée d'art moderne de Saint-Étienne et aussi donc toute une part au Musée départemental d'art contemporain de Rochechouart, dont je vous montre plusieurs exemples, notamment une œuvre assez connue, c'est ce portrait modifié dans ce miroir, hein, qui est une œuvre dont plusieurs exemplaires sont dans les collections publiques, y compris au MoMA. Vous retrouvez ici notamment des vues de Berlin, et c'est donc toute une photographie qui rappelle aussi tous ces mouvements proches de tous ces mouvements de straight photography, tous ces mouvements de photographie constructiviste. Il faut rappeler également que Raoul Hausmann est quelqu'un qui est proche de Laszlo Molinagy, qui est alors Oberhaus. Et donc toute une série de photographies de plages qui seront prises d'abord sur la Baltique, puis à Ibiza.
Et c'est un moment très fort de développement de son œuvre. Simplement, Raoul Hausmann, à partir de 1933, se doit de fuir l'Allemagne. Donc Raoul Hausmann fait partie des artistes qui sont considérés comme dégénérés. Sur la liste des artistes dégénérés, il arrive à la 13e ou à la 14e place. Plusieurs de ses œuvres seront présentes à l'exposition Antarctacus. Enfin, ce qui est assez surprenant sur l'histoire de la présence de ses œuvres à Antarctacus, c'est qu'en fait, sur le mur d'Ada, ils s'aperçoivent en fait qu'ils ne peuvent pas mettre d'œuvres de Raoul Hausmann parce qu'aucun musée de collection publique allemande n'en a acheté. Et donc, pour que néanmoins Raoul Hausmann soit présent sur le mur de l'exposition de l'art dégénéré, eh bien, sont finalement mises en place plusieurs couvertures de revues Dada dont il avait fait la couverture. C'est ainsi que, oublié par les collections publiques allemandes, il n'est pas oublié par l'exposition d'art dégénéré. Donc sur cette période-là, Raoul Hausmann fuit et notamment il se retrouve à Ibiza comme plusieurs membres de l'avant-garde et notamment peut-être que l'un des visiteurs d'Ibiza sur cette période le plus connu, c'est Walter Benjamin qui lui aussi est sur la même, se retrouve à la même période, son constage véritablement et a priori il ne se croiserait pas. Et donc Ibiza, pour Raoul Hausmann, ça va être le lieu de toutes les rêveries, de toutes les réflexions et un lieu qui sera marquant pour lui jusqu'à la fin de sa vie. C'est le lieu donc de la photographie des visages, de la photographie des processions, de la photographie donc une nouvelle fois dans les bars, mais aussi à la fois des personnages mais aussi des objets. Et toute une série de ces photographies, de ces découvertes Ibiza, ce n'est pas l'Ibiza que l'on imagine aujourd'hui, tel qu'il est décrit dans les livres d'Yves Michaud sur justement le lieu de la fête. Ibiza, c'est encore l'île de la paysannerie, c'est l'île aussi des artistes, entre guillemets, plusieurs sur elle aussi passeront par Ibiza. Et c'est donc à partir de toutes ces photographies d'objets, toute une nouvelle réflexion de Raoul Hausmann qui mène à la fois donc, sur le plan photographique. Ici, une nouvelle fois, toute une réflexion sur l'objet, sur la collusion des lumières, mais aussi toute une réflexion qui sera quasi immémorielle et toute une série de textes qu'il va se mettre à écrire, qui sont presque des textes de rêverie ethnologique, qui sont basés sous toute une réflexion sur l'architecture de l'habitat rural, toute une théorie d'une sorte d'habitat immémoriel basée sur une forme de réflexion sur la ruralité et l'antique qui l'oppose en fait au grand mouvement des architectures rationalistes du Siam. Et donc il se met à écrire et à publier régulièrement dans des revues sur ces questions-là et donc qui retransparaissent aussi dans toute une série de maisons, de vues de maisons d'Ibiza, ces fameuses maisons blanches qui donc deviennent le cœur de sa réflexion plastique, photographique, mais aussi sur la question du temps. Ne jamais oublier que Raoul Hausmann, c'est celui qui a écrit le présentisme dès 1921, et cette question du présentisme, elle est toujours présente, c'est le cas de le dire à lui, c'est-à-dire l'idée d'être toujours dans la vie et de dépasser tous les enjeux du temps, à la fois dans le présent, le passé, le futur, et une forme d'immémorialité. Et aussi, c'est la reprise d'un texte romanesque que Raoul Hausmann mène à partir de 1926, qui s'appelle Ille, donc le premier Ille, Ille Eins, suivi de Ille II, qui est réécrit à partir de l'arrivée à Ibiza, mais qui sont deux textes très complexes, puisque ce sont deux textes qui n'ont jamais été publiés en entier du vivant de Raoul Hausmann. Il a réussi à en faire publier une partie à la fin des années 60, mais la publication dans leur entier d'Ille, Ein et Zwein n'a jamais abouti. Et d'ailleurs, c'est uniquement l'année dernière qu'a été publié et traduit Ille, Zwein en français. Donc, première édition en 96 par Adélaïde Cordidier, puis la traduction par Hélène Piard de Ille, qui est en fait une forme de roman, qui est une forme de roman semi-biographique, semi-surréaliste, très surprenant, qui raconte l'histoire de ce personnage Gall, qui est pris avec ses deux compagnes
dans une sorte de traversée, qui est une forme de traversée, qui est une forme d'exil, qui mêle à la fois toute une forme de référence, toute une forme de scène, de rencontre, sous une forme qui ne ressemble à aucune autre, à très peu d'autres formes littéraires, et qui en même temps raconte aussi une forme de tourment biographique, autobiographique. Et donc, on a plusieurs chercheurs qui travaillent actuellement sur ILE, puisqu'en fait, il est quasi impossible, ou c'est un travail au long cours, que d'arriver à reconstituer tous les morceaux de ce texte qui ont été un peu éparpillés et réécrits plusieurs fois. Et si c'est bien aussi la langue de l'exil, mais aussi une continuité du travail sur la poésie, c'est parce que justement il y a, et c'est ce qui complique toutes les traductions, ce jeu sur le langage qui fait que dans ce texte de ILE original, il y a 7 langues différentes entremêlées. 7 langues différentes entremêlées, non seulement par passage, mais aussi par insertion au sein même des textes. Raoul Hausmann, cependant, doit refuir à partir de 1936 Ibiza, notamment pour Zurich, puis Paris en 1939. Et c'est de là, en fait, devant lui-même, et fuit en tant qu'artiste et allemand, sa femme, qui plus est, d'origine juive, et donc ils vont se réfugier par hasard à Peyrat-le-Château parce que leur logeuse parisienne, en fait, leur indique une adresse. Et étonnamment, eh bien, c'est le lieu où le Limousin devient le lieu d'habitation de Raoul Hausmann pour les 30 années à venir. À ce moment-là, on regarde quelques œuvres dans les collections du musée, notamment tout un certain nombre d'œuvres que vous comprendrez grinçantes et érotiques en même temps. Les passages érotiques sont aussi relativement nombreux dans ILE. ILE, je vous ai dit, ILE Heine, et Heine commence en 1926. Il faut savoir que la fin de ILE date des années 50. Donc une écriture au long cours, et cette question du long cours et de la dimension du temps est véritablement très importante chez Hausmann. Et donc on garde quelques pièces de ces années 40 de Peyrat-le-Château, mais assez peu en fait. Il y a véritablement aussi une sorte de continuité du travail d'écriture qui est véritablement un des travaux artistiques les plus importants de Raoul Hausmann sur cette période-là, mais en tout cas assez peu de pièces dessinées qui nous sont conservées. Il faut savoir aussi que dans un de ses lettres, Raoul Hausmann explique à un moment avoir dû détruire un certain nombre de documents qu'il avait avec lui. Donc la vie de Raoul Hausmann est assez compliquée, tout en étant en même temps, on dirait compliquée et simple. Il passe à la fois par un camp, comme je vous le disais ici, à un moment il est arrêté et traité au camp de Nexon, mais finalement il est relâché. Et d'ailleurs la question de la vie d'Hausmann durant cette période de la guerre est actuellement pas mal travaillée. Il y a eu un colloque il y a peu de temps sur cette question de Raoul, sur cette question dont des artistes exilés et notamment des artistes réfugiés en Limousin, puisque il y en avait plusieurs à l'époque. Et donc je dis ça parce que donc c'est connu pour cette région-là, en tout cas cette partie-là du Limousin, pour être un lieu de résistance. Et en même temps, Peyrat-le-Château a été souligné par un historien récemment comme justement un des lieux, au contraire, qui était assez marqué par la collaboration. Donc c'est assez surprenant, mais ils ont quand même réussi à vivre. Ce qui va marquer toute la suite de la vie de Raoul Hausmann, c'est la vie dans la pauvreté. Ça, c'est très clair. L'une des raisons aussi du fait de rester à Limoges, c'est à la fois d'avoir rencontré Marc Prévost, qui est la compagne de sa fin de vie, mais aussi c'est la question des possibilités matérielles. Et donc nous avons toute une série de traces de la vie d'Hausmann pendant cette période-là, comme ici ce sauf-conduit, puisque Raoul Hausmann est alors considéré comme étant de République tchèque, comme tchécoslovaque, puis apatride, puis de nouveau ayant une nationalité. Et il faut savoir que Raoul Hausmann va poursuivre dans les années 50 l'Allemagne pour réparation, ce à quoi il obtiendra une pension. Mais donc la vie de Raoul Hausmann
fait qu'en partir de 1944, il s'installe à Limoges, pense-t-il pour une période temporaire qui en fait va durer quasiment 30 ans. Sur cette période-là, on remarquera donc le paradoxe, qu'est-ce que c'est que la vie d'un dadaïste dans un centre de campagne, entre guillemets, isolé des centres artistiques tels qu'on peut les connaître, isolé y compris de Paris, isolé aussi de tous les autres membres de l'avant-garde. Ici, je vous montre un poème de 1945, le Keperium, qui est encore un poème phonétique et qui va aussi marquer toute une continuité de la vie de la suite de la vie de Raoul Haussmann. Cette période marque un retour de la poésie parce que justement Raoul Haussmann renoue avec plusieurs de ses condisciples de l'époque, notamment Laszlo Molinagy, qui, lui, s'est exilé aux États-Unis, qui va tenter de le faire venir aux États-Unis avec l'aide du directeur du MoMA de l'époque, Alfred Barr, mais sans jamais réussir, et Laszlo Molinagy meurt en 1946. D'ailleurs, le paradoxe de l'année 1937, quand je vous disais Raoul Haussmann était à ce moment-là dans l'exposition d'art dégénéré, c'est aussi l'année où Alfred Barr réalise la grande exposition Fantastic Art Dada Surréalisme, où Raoul Haussmann est également présent par un collage. C'est donc le paradoxe de ces lectures de l'histoire de l'art et de la modernité. C'est une période où il renoue aussi avec un autre exilé qui est Kurt Schwitters. Kurt Schwitters, qui est donc le fondateur du Merzbau, qui est donc cette maison à grandeur d'œuvres d'art qu'il crée à Hanovre au long cours, lui-même a dû s'exiler à deux reprises, d'abord vers la Norvège, où il a recouru le Merzbau qui avait été détruit à Hanovre, mais il doit refuir la Norvège, cette fois-ci pour l'Angleterre, et donc sur cette période, il s'est réfugié à Ambleside. Et donc, voici le paradoxe de cette correspondance tapuscrite un peu effacée que vous voyez à droite, c'est que Kurt Schwitters et Raoul Haussmann, eh bien, sur cette période-là, ils s'écrivent en anglais. Cette question de la langue des exilés est vraiment signifiante. Aucun des deux, en fait, n'est anglophone de départ, de naissance. Mais du fait de ces déplacements-là, eh bien, c'est presque une autre langue tierce. C'est une langue tierce qu'ils choisissent pour se correspondre avec le projet de publier un livre de poésie qui s'appellerait Pine, projet qui avorte, notamment parce que Kurt Schwitters aussi décède en 1948. Raoul Haussmann reprend toute une partie de création, mais aussi il considère qu'à partir de 1945, non seulement il reprend et poursuit ses grandes recherches dadaïste, mais aussi il reprend tout un certain nombre de pratiques qu'il avait abandonnées. Il dit d'ailleurs sur cette période de la guerre et de l'après-guerre, « Jusqu'en 1945, je me trouvais dans l'impossibilité de peindre. Je ne recommençais qu'à Limoges, après avoir acquis la conviction que l'abstraction froide des constructivistes ne correspondait plus à nos problèmes informels. » C'est ainsi que, justement, on voit ce paradoxal retour à partir de la fin des années, de la fin de la décennie 1940, d'une forme de figuration, d'une forme de gouache, d'une forme de caricature, mais aussi d'informalité dans les traits, que l'on voit ici dans cette scène donc de mise à mort. Et donc, le musée départemental à contemporain de Rochechouart possède entre 20 et 30 de ces grandes gouaches réalisées à partir, notamment principalement dans les années 50, qui voient donc Raoul Haussmann revenir vers ce qu'on ne s'attendrait pas à voir. Également, la poursuite du programme photographique est constante, aussi par le collage. Et d'ailleurs, il arrive à continuer la photographie aussi en se rapprochant du club des amateurs de la Société des amateurs de photographie de Limoges. Et l'un des grands paradoxes aussi de ces fonds photographiques, c'est qu'ils existent sous deux formes, les formes de tirage, mais aussi énormément de fonds de négatifs, dont près de 300 négatifs sont conservés dans les collections du musée, avec ce paradoxe qu'on ne sait pas forcément, mis à part pour celles qui ont été tirées, la raison du non-tirage des photographies. C'est-à-dire que la question de comment
traite-t-on les fonds des négatifs de ces artistes est une vraie question, puisqu'on sait aussi que si une partie de ces photographies n'ont pas été tirées, c'est pour des raisons financières. En fait, les moyens, tirant le diable par la queue, Raoul Haussmann n'arrive pas forcément à tout imprimer. Et il faut savoir que même se pose la question des appareils photo. C'est d'ailleurs pour cela que les héritiers et la veuve de Molinaggi lui envoient en 1946 le Rolleiflex de Molinaggi avec lequel il va travailler pendant des années. Et donc se poursuit cette recherche photographique, quelques exemples de collages, mais aussi de recherche de lumière. C'est aussi une période de grand travail sur les photogrammes. Une photographie donc plastiquement très travaillée, donc ici un exemple de photogramme des années 50, mais aussi des scènes de plage et la ville et la campagne de Limoges autour de Limoges va aussi se prêter à cette forme de recherche qui rappelle aussi une partie des recherches mystérieuses autour de l'architecture d'Ibiza, ici avec le château de Chalusset ou encore le traitement d'un pont près de la gare de Limoges ou même la superposition de négatifs de fils électriques et de fils de train autour de Limoges. C'est aussi une période où il réfléchit beaucoup à sa propre histoire, notamment ici, vous voyez les jeux mécaniques, c'est une photographie qui, elle, est conservée au Musée national d'art moderne, où lui-même remet en scène sa fameuse tête. Lui-même remet en scène sa fameuse tête dans ce montage d'Ada Kino de 1951. C'est une période de retravail de l'ensemble des collages, liés à Dada, parce que justement, c'est un moment où Dada revient sur le devant de la scène. Les années 50, les années où se réécrit l'histoire Dada, où le terme de néo-dadaïsme réapparaît, et où justement, toute cette génération se retrouve presque prise entre deux feux. C'est-à-dire à la fois le bonheur d'être découvert, et la crainte d'être oublié de l'histoire. Et c'est pour ça aussi qu'un certain nombre d'entre eux, notamment Ribon de Seigne, Hans Richter, hein, ceux qui sont encore vivants, vont s'appliquer à réécrire cette histoire. Et donc c'est pour cela qu'on conserve aussi énormément de textes sur cette période-là, mais aussi de retranscription d'énormément d'éléments, et d'arriver aussi à re-rendre pour eux la complexité de cette période, mais aussi d'arriver à se positionner vis-à-vis des nouveaux courants. On connaît notamment les disputes de Raoul Haussmann vis-à-vis du nouveau réalisme et de l'usage de l'objet. On connaît les disputes de Raoul Haussmann vis-à-vis d'Isidore Isou, à qui il reproche notamment au mouvement lettriste de s'accaparer l'invention des poèmes phonétiques et d'oublier que Dada les a précédés. Et toute la correspondance conservée de cette période, finalement, retrace peut-être autant l'histoire de la décennie des années 50 et des nouveaux courants que celle du mouvement Dada. C'est aussi notamment donc du coup un retravail sur la question des lettres et notamment ici toute une série des tableaux signes de 1962 qui bien sûr s'inscrivent aussi vis-à-vis de toute cette réflexion sur le mouvement lettriste. C'est aussi la reprise plastique une nouvelle fois de cette phrase qui fait notre leitmotiv MSVW etc. Sous forme de grande gouache. C'est aussi une nouvelle fois la reprise des jeux de mots et de tous ces fameux jeux sur les voyelles, sur les sonorités qui ont été justement inventés dans le cœur des années Dada et qui reviennent sous la forme de grandes gouaches. Donc ici, vous lisez à la fois les mots âme, esprit, etc., mais aussi le fameux A, I, O, U, joué sur les voyelles. Je vous montre ici une vue d'exposition, de la dernière exposition du musée d'art contemporain de Rochechouart pour vous montrer aussi que ce sont des travaux en très grand format. Qui sont des travaux aussi qui jouent sur la forme des poèmes, presque sur des calligraphies, notamment ici dans cette fameuse poule dada, mais aussi dans le fameux opossum, où ceci est une vache. Donc avec un jeu, une nouvelle fois, sur cette question de la forme
et de la poésie, due à cette question de l'équivalence entre la vision et les sons. Et donc je vous montre ici d'ailleurs une photo de Raoul Hausmann dans son intérieur, où lui-même a mis en scène l'ensemble de ces fameux tableaux signes, lettres affiches, poèmes affiches que l'on voit en arrière. C'est dans une de ces fameuses séances où notamment l'un des personnages de cette période avec qui il correspond également beaucoup et qui va régulièrement le voir, c'est Chopin. Il faut savoir que sur cette période-là, il a une correspondance aussi très importante avec Jean Harpe. Jean Harpe qui d'ailleurs l'aide financièrement. Il y a aussi toute cette forme d'international du mouvement Dada qui se poursuit à travers les années. Et donc, sur une nouvelle fois, cette mise en scène permanente de la performance, de la poésie, ici dans le fameux Oa, 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 mais aussi dans lui-même se mettant en scène avec ce fameux Oa, 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 sur les mêmes périodes, donc, où il y a cette fameuse réflexion sur le fait de s'enregistrer en train de parler. Et d'ailleurs, sur cette réflexion-là, c'est une réflexion sur les sources encore peu étudiées qui est conservée dans les archives du musée. C'est notamment toute une série de collections de disques donc ici, c'est un exemple de disque chinois. Et on voit bien aussi que cette question de la collection de disques chinois, c'est aussi une question de réflexion sur la sonorité de la langue. Donc il y a une dizaine de disques conservés dans la collection. Tous ces fameux tapuscrits, il y a donc tous ces tapuscrits aussi qui mettent en scène une nouvelle fois les poèmes. Donc ici c'est le poème du cauchemar, qui est celui qui fait la sonorisation du film que je vous ai montré en début de séance. Et donc ce sont toute une série de documents qui sont très nombreux, conservés sous forme de tapuscrits dans les collections, mais aussi donc toute une série de retranscriptions et de traductions de textes d'Adazov, c'est comme ça que s'appelait et s'intitulait Hausmann, de Dadazov, qui est une sorte d'équivalent du philosophe, qui est donc le fait que le personnage, sa vie, sa manière de vivre, la manière aussi dont il est un acteur, se mélange avec ce personnage qui est aussi un inventeur, un écrivain, un peintre, un poète, etc. Parmi les fonds qui restent notamment à étudier et à utiliser, c'est toute une série de carnets qui couvrent l'ensemble de ces années 50-60, hein, qui sont des mines d'informations, mais très compliquées à exploiter et qui sont en cours de numérisation, avec écrit en plusieurs langues, à l'endroit, à l'envers, entremêlés de dessins, sont des carnets qui représentent plusieurs milliers de pages qui sont encore à décrypter. Parmi les fonds dont certains ont été publiés, d'autres non. Ici également, parmi les grandes correspondances, la correspondance avec Guy Debord, dont une partie a été publiée, tout comme la correspondance avec Schwitters. Pour vous rappeler qu'en même temps, eh bien, ce qui est très surprenant, c'est que Raoul Hausmann, à partir de 1959, eh bien, une grande partie de son travail, c'est aussi de faire de l'abstraction quasiment informelle, que ne renierait pas, eh bien, l'école abstraite de Paris. Et donc c'est très surprenant de voir ce personnage être capable d'être à la même période son propre historien, un artiste abstrait informel, d'être en même temps un monteur du collage, d'être capable de mener des correspondances avec toute une série de personnes qui lui permettent de sortir de son isolement artistique. Et en même temps, pour arriver à survivre, ce sont aussi les petits travaux, les dessins de céramique, les photographies de céramique, le travail de publicité pour un certain nombre de magasins de Limoges. Et en parallèle, en même temps qu'il crée ça, eh bien, il y a aussi le Moderna Museet de Stockholm en 1967 qui lui fait sa première rétrospective depuis longtemps, et avec cette fameuse tête, et donc cette redécouverte, notamment aussi par Pontus Ultène, qui est donc ce paradoxe de cet être isolé qui d'un seul coup,
qui peu à peu reprend place dans l'histoire et dont finalement cette fameuse tête devient presque la tête emblématique d'une des plus grandes collections d'art moderne française, qui est celle du Musée national d'art moderne. C'est une période aussi où Haussmann continue de travailler tout en commençant à perdre la vue. Et donc ça passe notamment par toute une série de dessins, 250 dessins au feutre conservés dans les collections du musée départemental d'art contemporain de Rochechouart, qui sont notamment quelques exemples, ces images de serpents, ces images totémiques, mais aussi ces fameuses jeux à nouveau sur les lettres, jeux phonétiques, jeux sur le sens, zéro, etc., qui sont des dessins donc faits aussi avec une technique beaucoup plus moderne, puisque c'est le feutre. Donc il faut savoir que le feutre se diffuse véritablement uniquement dans les années 50, le feutre chimique. Mais c'est aussi arriver à se moquer de ses contemporains et à réaffirmer sa place de manière acide dans ce dessin. Donc, si Pierre Restany, le critique du nouveau réalisme, dit à l'époque que le nouveau réalisme, c'est 40 degrés au-dessus de Dada, eh bien, Raoul Haussmann, en 1969, alors qu'il a plus de 80 ans, lui répond que Dada, c'était quand même 80% au-dessus de Pierre Restany, dans cette caricature assez drôle, mais qui montre bien aussi comment Haussmann, il est redécouvert aussi par toute une série d'artistes, de jeunes artistes de cette génération, parmi lesquels les plus proches de lui sont Claude Viala, donc l'artiste de support surface, mais aussi Paul Armangette. Et quelques deux œuvres pour terminer, cette poule Dada, qui montre justement bien dans l'utilisation de la dentelle, dans l'utilisation de nouveaux matériaux, comment il se positionne aussi vis-à-vis de toute cette nouvelle écriture de l'objet qui s'écrit à la même période, mais aussi qu'il n'oublie pas toute l'histoire finalement qui est la sienne et qui fut la sienne dans ce collage, au départ sans titre, mais qui aussi est lié à un événement, ce sont les événements en Tchécoslovaquie et qui s'appellent les Larmes Rouges. Et donc c'est aussi par le collage, à la fois la redécouverte et la continuité et l'affirmation d'une technique et d'une manière nouvelle de créer qui finalement a eu, et l'une de celles qui a eu la plus grande postérité tout au long du XXe siècle et y compris dans l'art contemporain, tout en gardant cette manière forte de s'établir vis-à-vis de l'histoire cette manière de s'établir vis-à-vis de l'histoire, eh bien, on peut dire aussi que cette manière de s'établir l'histoire, c'est aussi l'histoire qui a établi la manière dont on reçoit aujourd'hui les œuvres de Raoul Haussmann et aussi la manière dont elles sont dispersées, encore conservées, pour certaines miraculeusement, mais pour une partie détruites. Je vous remercie. Il nous reste tout de même un certain temps pour la discussion, si vous voulez l'engager. Alors je reviens sur le Tatlin. Oui, détruit, mais il existe une reconstitution par un artiste dont j'ai oublié le nom. Voilà, par André Raffray. C'est une histoire. Donc en fait, ce Tatlin, il n'est pas conservé mais exposé au Moderna Musette en 1967. Et c'est à ce moment-là qu'il disparaît après l'exposition en 67, alors qu'il est dans la grande exposition. Mais on le connaît parce que c'est en fait un artiste, qui a fait des copies au long cours. On appellera ça comme ça, qui s'appelle André Raffray, l'a reconstitué. Il l'avait perdu. Il se sentait coupable. Voilà, il se sentait coupable de la disparition de. Alors avec le paradoxe que ce Tatlin, donc qui est dans la tête de Tatlin, qui est donc un des collages qui est sur le mur de l'exposition de 1920, qui est en fait conservé, qui traverse l'histoire. Qu'il est représenté, puis redisparaît, reperdu. Moi j'avais une précision largement, parce qu'en fait j'ai chez moi une photo de l'esprit de notre temps, d'époque, et derrière, c'est une date de 1919.
Alors, la question de cela, c'est que sur ces œuvres-là, ce qui est toujours très problématique, alors là-dessus, je me suis... Voilà. Oui. C'est ces questions-là, c'est-à-dire que pour là-dessus, je me réfère à ce qu'on dit Angela Lampeux dans le catalogue des collections du Musée national d'art moderne. Elle a essayé de démêler un peu tout ça, et donc elle dit que ça serait plus sûrement de 1921-1922. L'œuvre ne figure pas dans le catalogue, et il y a aussi, elle a remarqué, ont été remarquées des différences entre plusieurs photos de l'œuvre aussi. Donc, ce qui fait qu'à un moment, l'œuvre aurait été légèrement modifiée. En fait, quand elle a appartenu à la gauche, elle est en direct. Oui. C'est ce qui aurait cassé un morceau. Oui, parce que le paradoxe en fait d'une partie de ces œuvres, c'est que celle qui était restée chez Anna, c'est-à-dire que lorsque Raoul Hausmann part de Berlin, il ne pense pas partir pour longtemps. Il pense qu'il va revenir. Donc il laisse une grande partie de ses œuvres et il en laisse à deux endroits différents, on pourrait dire. D'abord il les laisse donc il y en a une partie qui est chez sa première épouse et à qui d'ailleurs il écrit régulièrement dans les années 50 en lui disant est-ce que tu sais où est telle chose, etc., tel élément. Puis il y a aussi les lettres à Anna Hor. Et qui Anna Hor lui dit qu'elle a enterré, puis redéterré une partie des collections. Donc ce qui est assez drôle, c'est que notamment sur les courriers à Anna Hor, donc ils sont principalement en allemand, mais qu'on a des traductions françaises qui sont sûrement faites par Raoul Hausmann lui-même pour que sa compagne puisse les lire. Donc on a différentes versions de ces courriers, et donc une partie des œuvres est enterrée pour échapper aux destructions, puisqu'il y a eu quand même des autodafés de textes et d'œuvres de Raoul Hausmann. Il y a quelques mentions autour de ça, et donc ce qui fait que oui, il y a une partie qui est abîmée. Donc Raoul Hausmann d'ailleurs récupère sa tête assez tardivement. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on a toutes ces photos de lui avec sa tête, c'est qu'il ne la récupère que dans les années 60, notamment au gré des demandes d'exposition. Il n'est pas sûr que sinon il la récupérerait. Et aussi, il faut savoir qu'il aurait aimé revenir à Berlin à un moment, mais qu'il n'a pas eu non plus les moyens de voyager. Et donc une grande partie explique cela. Et bien sûr, il y a aussi toute cette question, c'est que tous ces artistes, réécrivant leur histoire, ont parfois tendance à redater leur œuvre d'une année un peu plus jeune, parce que ça peut les arranger dans la chronologie. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve chez Hausmann, mais aussi chez d'autres. Alors, le premier conservateur du musée Guy Tosato était entré en contact avec Marthe Prévost, qui était la compagne la dernière compagne de Raoul Hausmann. Donc, vous avez compris, Raoul Hausmann a souvent vécu à Troyes. Donc, elle était. Et d'ailleurs, après le décès de Raoul Hausmann, vivaient encore ensemble sa femme et donc Marthe Prévost. Donc, il est rentré en contact avec elle au début des années 80. Et a commencé à lui acheter des pièces. Puis la continuité s'est créée avec le musée. Ensuite ont été achetées successivement toute une série d'œuvres dans les années 90, avec l'idée au fur et à mesure de créer un fonds. C'est-à-dire qu'au départ, ce qui était une sélection s'est peu à peu développé comme idée d'un fonds, avec pour moments principaux le fait d'acheter l'ensemble des textes.
puis le fait d'acheter l'ensemble des correspondances. Et donc c'est comme ça que le fonds s'est principalement constitué entre 85 et 2002 pour la plupart des ensembles. Et c'est un fonds qui est très regardé par les chercheurs, avec des chercheurs qui vont souvent de la Berlinische Galerie au Musée départemental d'art contemporain de Rochechouart. Et comme je vous disais, avec une certaine migration des recherches sur Haussmann. Les recherches sur Haussmann ont pendant longtemps concerné essentiellement la période dadaïste. Elles concernent de plus en plus, depuis la redécouverte et la vraie découverte de ces photographies à la fin des années 80 et dans les années 90, les ensembles photographiques, avec un chercheur notamment, Bernard-Alexander Stiegel, qui a pour projet actuellement d'éditer l'ensemble des textes de photographie sur la photographie d'Haussmann, ce qui représente quand même plus de 2 volumes de 500 pages. Donc c'est quand même une production très prolixe. Et toute une série de chercheurs qui se sont occupés de ces fameux textes, et notamment de la publication de Hille, qui est donc un travail au long cours pour les chercheurs depuis les années 90, du fait de la masse et de la complexité du texte. Et véritablement, il y a toute une gamme de recherches autour d'Ibissa, et de plus en plus sur les questions autour de l'architecture, et de recherches sur Raoul Haussmann après Dada. Ça, notamment, des chercheurs comme Cécile Barg travaillent là-dessus. Donc les plus jeunes chercheurs travaillent plus sur Raoul Haussmann au long cours, en fait, que sur la période centrale de Raoul Haussmann, enfin la période centrale du dadaïsme. La question pourrait se compléter aussi au niveau de la politique départementale. Comment a-t-on pu convaincre certains élus du département d'être des locomotives pour... Comment sont les choses sont entrées en phase, si vous... En fait, ça, c'est un choix totalement politique. Alors oui, c'est le président du Conseil général de l'époque, Jean-Claude Perronnet, qui se retrouve à la tête qui est un jeune agrégé d'histoire normalien, qui se retrouve président du Conseil général de la Haute-Vienne, qui est alors jeune, il a une quarantaine d'années, dans son escarcelle, entre guillemets, un grand château, qui est le château de Rochechouart, un château qui est vide de meubles, qui comporte des fresques, qui a été beaucoup restauré, qui en avait besoin, mais qui a encore des restaurations en cours, dans lequel il y a des éléments d'administration, mais pas grand-chose d'autre, et qui choisit de se dire, eh bien, on va en faire quelque chose d'aujourd'hui, puisqu'il n'y reste plus rien, mis à part 2 salles de fresques et une architecture, faisons-en un musée d'art contemporain. Et donc il embauche un jeune conservateur qui a 30 ans et ensemble ils vont acheter des œuvres qui aujourd'hui seraient inachetables, des Gerhard Richter, des Sigmar Polke, des œuvres de Michelangelo Pistoletto, de Giuseppe Pennone, et se constitue une collection. Et en parallèle, ils se disent, développons aussi, puisque Raoul Haussmann était dans la région, qu'il n'y a pas de musée d'art contemporain alors en Limousin, développons le fonds Raoul Haussmann. Et c'est ainsi qu'au fur et à mesure, la continuité de ce premier mouvement s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui. Même si, évidemment, il n'y aura plus d'acquisition aussi spectaculaire autour de Raoul Haussmann, hein, du fait que qu'une grosse partie a déjà été achetée, et que après ce qui reste est en main privée. Et est-ce que cette petite acquisition a rencontré la concurrence d'institutions parisiennes? Alors non, parce que on va dire que les institutions parisiennes étaient déjà passées, entre guillemets. C'est-à-dire que il faut savoir que le mouvement Dada est un mouvement qui est dans les années 70, jusque dans les années 60-70, très mal reconnu. Celui qui véritablement relance l'idée que Dada est un courant majeur, c'est donc Alfred Barr, qui est le créateur et le fondateur du Museum of Modern Art à New York,
et qui donc fait ces séries d'expositions avec cette idée de chronologie de l'histoire de l'art. Et l'une des chronologies de l'histoire de l'art, ce serait notamment Dada puis le surréalisme. Mais on peut considérer qu'alors, dans l'historiographie française, le surréalisme a supplanté Dada. Or, le dadaïsme redevient un mouvement très important, justement, à partir des années 50-60, avec la redécouverte du néo-dadaïsme. Mais il est, redécouvert comme ceci, plutôt à l'étranger, plutôt aux États-Unis et plutôt dans les musées très novateurs de l'époque, qui sont notamment le Moderna Museet de Stockholm. Et en fait, il est redécouvert par des musées qui s'intéressent plus à l'art vivant et à l'art de leur temps, et qui donc voient cette continuité avec... avec le mouvement Dada. C'est aussi pour ça il y a ces achats plutôt dans les années 70, donc en amont du Centre Pompidou et du Musée National d'Art Moderne au sein du Centre Pompidou, et qui achètent des pièces parmi les plus fortes, ABCD, oui, il y aura plus ou moins. Oui, j'ai peut-être une réponse à ça. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas mon palais. Donc, à Paris, on prenait plutôt sur lui, parce que le surréalisme, c'est Paris. Les Dada, c'est plutôt Berlin. Zurich, évidemment, peut-être les origines, mais c'est plutôt Berlin. Et comme il y a toujours une unité entre Berlin et Paris, ça a été sûrement une aussi peut-être. Alors là, j'ai dû organiser cette salle-là. Surtout pas pour ce thème qui, heureusement, a redécouvert Dada et Haussmann. Mais les autres, je pense qu'ils ont péché par blood, par mépris, et surtout, je pense, par incompétence. Ils ont fait des choix. En achetant à vil prix après la mort d'Haussmann, les filmateurs avaient cédé quelques photographes, quelques pièces exceptionnelles, mais ils ont qu'est-ce qu'ils ont acheté à l'époque, aucune photo. Ils n'ont rien compris à ça. Alors, c'est un peu logique parce que cette époque-là, Gaudou avait quasiment aucune photo. Les premières photos qui ont été acquises par Beaubourg, ça a été un don de Raoul Bach, et c'est justement quatre autres venus qui sont maintenant considérés comme des archétypes standards de nus féminins. J'ai une autre réponse à vous apporter sur le fait que votre musée est quelque chose. C'est que ce soit dans le là, c'est pas quoi. Si on met une guerre, vous l'avez évoqué, parce qu'en fait, il y a pas de la pièce. J'ai vu dans ces blagues que le Cosmal a envoyé, j'aurais plus ou moins travaillé avec le magique, en peut-être en confiance à la chirurgie, on a repéré dans les écrits du maquis, qui sera, c'est un limousin, c'est un maquis très dur, très imprimé de communisme et de libertaire, et Haussmann est un libertaire. Guillaume Haussmann pourrait prêter sa machine à écrire au maquis, et il m'a dit qu'il aurait lui-même tapé des tracts très durs, incisifs, et donc c'est peut-être le problème de cette histoire-là, c'est que, ça c'est très très dur à savoir, parce que nous on n'a pas de traces de relations entre... C'est des témoignages. C'est des témoignages. Donc le problème des témoignages, c'est que c'est aussi beaucoup de choses après coup. Je pense que là-dessus, c'est plus prosaïque, c'est-à-dire que, enfin, plus prosaïque ou très humain entre guillemets. C'est-à-dire que il y a eu cette. Faut pas oublier qu'il y a quand même eu la volonté très forte de Marc Prévost que l'œuvre de Raoul Haussmann soit préservée, qu'elle soit connue et surtout qu'elle soit accessible aux chercheurs. C'est quelqu'un qui a et d'ailleurs qui a beaucoup ouvert sa porte, qu'il a parfois regretté, mais qui avait
tout à fait à cœur que l'œuvre d'Haussmann soit connue. Donc c'est vrai que la solution de la vente au musée, puisque c'est essentiellement des ventes, était la bonne solution pour ça. Et là-dessus, je dis aussi que là-dessus c'est aussi un choix de sa part, au sens où, par exemple, elle a exonéré par un papier de droit l'ensemble des archives de la Berlinische Galerie, tout comme celles du musée, de manière justement à ce que les deux institutions puissent facilement diffuser les œuvres. Haussmann avait dû descendument à un prévôt qui, lui, ne voulait pas qu'aucune de ses œuvres aille à la galerie. Voilà, mais les œuvres qui sont à la Berlinische Galerie, en fait, sont des œuvres qui n'ont jamais quitté l'Allemagne. Voilà, qui sont des œuvres en fait qui sont restées là, qui d'ailleurs ont échappé de peu à la destruction, puisqu'en fait les papiers ont été repérés alors qu'ils devaient être mis à la poubelle. Dans les faits, et donc quelqu'un a appelé la Berlinische Galerie qui est venue, et c'est comme ça que le fonds de sa fille a été conservé. Quant au fonds d'Anaor, tout ce qui correspond à ce qui était chez Anaor et tout ce qui est de la documentation d'Anaor, qui est un énorme fonds à la Berlinische Galerie, pour le coup, est un choix très clair. Voilà, qui est en train d'être numérisé. Il faut savoir, ça j'en ai pas parlé, au niveau des outils de connaissance, c'est qu'il y a quand même maintenant beaucoup d'outils de connaissance de ces collections, parce que donc Adèle Cordidier a fait un inventaire de tous les écrits qui sont conservés au Musée départemental d'art contemporain de Rochechouart. Nous sommes en partie en numérisation. Les fonds de la Berlinische Galerie donc viennent de finir d'être numérisés. Et il y a en fait un inventaire commun, entre guillemets, qui a été fait par Adèle Cordidier, qui est publié en allemand et qui relie met ensemble l'ensemble des sources des deux institutions. Donc avec pas mal d'éléments quand même très repérés pour les chercheurs. Et il y a quelques années a été fait l'inventaire des correspondances aussi. Ça correspond quand même à un ensemble de feuilles très important, puisqu'on est à plus de 15 000 feuilles et beaucoup plus si on compte les recto verso, etc. En tout cas pour le fond du musée, ce qui fait des ensembles de recherches qui sont encore très importants, notamment lorsqu'on regarde les carnets qui, eux, ont pour le coup ont été assez peu exploités pour des raisons de graphie. Très bien.